La liberté. Je vais vous lire un poème que j'ai fait juste pour cette occasion. Et ensuite, on discute de cette liberté. Que la liberté te soit rendue sans délai, que ta prison dorée soit vue d'en haut, et que tu réalises la magie de ton survol au-dessus de ton destin de larmes. Que ton envolée vers les contrées inconnues te fait voir la supercherie de ton enclave, et que la vie inonde les jours mélancoliques et monotones. Que te revienne le goût de la beauté que tu embrasses, et que son parfum laisse sur tes lèvres les mots de sa magie, qui donne à l'oreille de celui qui entend la passion de sa créativité. Et que les endroits sans vie fleurissent de cette joie. Liberté, voilà la force de ta vie. Elle ne laisse jamais le pays dans le doute. Les instants en sont lavés. Que la clarté soit roi en ton sein, de sorte que quand résonne le glas des joies sans pitié, tu connaîtras l'issue qui mène en dehors de la cohue. Là où tu traverses l'existence sans que rien ne t'ébranle. C'est quelque chose qu'on aimerait tous, que rien ne nous ébranle. Parce que nous sommes dans un monde où cette liberté est loin d'être là. Nous sommes ébranlés par la peur de ne pas pouvoir avoir cette liberté qui nous emmène dans des contrées sauvages, qui nous soulage du joug que cette pression que la société nous a mis s'envole. Et voilà que nous avons besoin de comprendre cette liberté. Nous avons besoin, nous sommes arrivés à un moment où la liberté est très importante. Mais nous faisons erreur de cette liberté. Cette liberté n'est pas ce que nous croyons. Cette liberté n'est pas ce qu'on nous donne. Cette liberté n'est pas la vie qu'on nous promet, ou même que l'on se promet à soi-même. La liberté, c'est quelque chose qui se trouve au sein même de ce que tu es. Ce que tu es pour de vrai est la liberté. Ce qui se déverse depuis ton sein et qui se manifeste devant la scène de la vie. Cette chose que tu es, c'est la liberté. Et pour l'avoir, tu dois abandonner toute idée de liberté, tout concept de ce qu'elle est vraiment. Parce que tout concept n'est pas ce qui est. C'est quelque chose que tu as appris, que tu as engrangé dans ta tête et que tu dis, ben voilà, c'est ça la liberté. La liberté n'est pas quelque chose que tu peux décrire. C'est quelque chose qui peut se vivre. Elle existe seulement quand elle est vécue, d'instant en instant, et on découvre la vraie beauté de la vie. Et toi, qui es dans un état de confinement aujourd'hui, qui attend des jours meilleurs, ce ne sont pas ces jours qui viendront, qui te donneront la liberté. C'est maintenant, cette liberté. Elle est là, maintenant, où ton esprit n'est plus embrigadé dans des idées de comment l'avenir sera.
Et tant qu'il y aura cet espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, eh ben, il n'y aura rien. Aujourd'hui, c'est la seule chose que tu as. Là, maintenant. Ce que tu vis là, c'est la seule issue. Ce qu'il y a demain seront en toi une distraction. Ce qui s'est passé hier sera en toi une distraction et cette liberté ne sera pas expansive. Elle sera juste prisonnière de ce que tu penses, ce que tu as envie. Donc toutes les pensées de hier et de demain, toutes les pensées de comment les choses devraient exister dans ta vie, c'est là que tu devrais regarder. Ou, pour la plupart d'entre nous, on se trompe, on se ment à soi-même, et on veut quelque chose qui est futile, éphémère, parce que cette liberté, en fait, elle nous fait peur. Parce que c'est là où tu dépasses toutes tes capacités. Tu vas au-delà de tes peurs. Tu explores ce qui est inconnu. Ton être est cette chose inconnue qui se meut d'instant en instant et elle dérange toute la connaissance que tu as acquise. C'est pour ça qu'elle n'est pas la bienvenue dans notre société. Donc on a inventé une liberté. Et cette liberté qu'on a inventée, elle n'est pas une liberté d'esprit. Elle est une liberté confortable que nous donnons à l'esprit, une zone de confort où l'esprit a des limites. Mais ces limites, on se raconte des histoires. On se dit non, ça ira, demain ça ira mieux. Et voilà comment on conçoit la liberté. On a acquis de l'argent, on a acquis des biens matériaux, on a acquis des biens, du bien-être affectif, on a acquis tout ça. Et on se demande qu'est-ce qui va nous arriver si on n'a pas tout ça. Donc tu deviens dépendant de tout ça. Et c'est là où ta liberté, elle est brimée, elle est emprisonnée dans ce petit monde que tu t'es fabriqué pour toi. Alors que ton être a besoin d'aller au-delà de ce que tu construis, au-delà de tout ce qui existe, au-delà des conceptions, des idées, des points de vue, au-delà des conclusions que tu as. Parce que une liberté avec des conclusions n'est pas libre. Les conclusions renferment la liberté. Elles renferment nos vies sur quelque chose qui va se répéter. Et il semblerait que ce genre de liberté soit brimée, brisée, prisée, excusez-moi, elle soit prisée par toute la race humaine. Pourtant, au fond de soi, il y a vraiment cette connaissance qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de passer au-delà. On a besoin de sortir de cette enclave de croyance à cette chose que nous voulons acquérir. Le monde nous aide, la vie de chaque instant nous aide. Quand tu regardes la fleur, l'arbre qui pousse, les oiseaux qui volent, elle te rappelle que tu n'es pas libre. Elle te rappelle que tu es figé dans un petit univers, une bulle que tu t'es faite, et qui est justement ta prison.
une prison que tu t'es faite toi-même, une prison sans barreaux, une prison qui n'est pas vraiment une prison, une prison qui n'existe pas, une prison qui est l'illusion pour te protéger, une illusion qui te protège, une illusion que tu fais, que tu gardes, que tu poursuis, que tu fais en sorte qu'elle existe pour pouvoir vivre sans avoir à affronter cette liberté, ce que tu es. Ce que tu es, c'est cette liberté. Ce que tu es a la possibilité d'aller au-delà de toutes tes croyances, de toutes tes peurs. Prendre le chemin dans cette direction demande que tu sois capable de voir toute la stratégie de ce qui se passe. Et dans les conditions actuelles de notre société, où tout est fait pour que tu sois distrait, pour ne pas avoir à rencontrer cette liberté, mais seulement la rêver, mais tu ne la vis pas, la société fait en sorte que ce que tu vis ne sorte pas de ces mœurs qu'on a construites depuis des milliers d'années. Et justement, il faut que tu le vois, il faut que tu l'observes. Beaucoup ont observé, ont vu, beaucoup ont voulu faire quelque chose, mais les peurs les ont rattrapés. Ils n'ont pas eu l'audace de dire le contraire à tout un système établi qui prime justement cette joie de vivre, qui prime en chacun d'entre nous l'expansion de notre être et qui la brutalise, qui l'esclavagise et qui la met en difficulté. Et toute la psyché de la société, de la race humaine, on est tous en difficulté à cause de ne pas faire face à ces peurs. Et de pouvoir aller au-delà de ce que les autres disent. Certes, tu les écoutes, mais à la fin, c'est toi qui fais la décision. Il n'y a personne qui peut faire la décision pour toi. Et ça, tu as cette liberté. Cette liberté de que ce soit toi qui décide ce que toi-même tu vois qui est bon pour toi. Et il y a des idées et des milliers d'idées sur la planète où tout le monde te dit comment tu dois faire, comment tu dois vivre. Mais en fait, personne ne sait. Tu dois le trouver toi-même. Et de cette liberté dont je parle, et c'est toi cette liberté, tu es cette liberté, et tu peux sortir de toute cette enclave qui t'empêche, qui te donne des peurs, qui te met des barrières. Sauf que tu dois prendre la décision pour toi et voir vraiment la futilité de toute la vie sans cette liberté. Quand tu observes cette vie et que tu vois toutes les choses qui sont brimées, qui sont définies, qui ont des limites, et bien cette liberté, elle devient pour toi l'essentiel. Il faut que tu vois le mensonge pour que ce qui est vrai existe.